Levons-nous comme nous prions ensemble. Père céleste, nous te bénissons, nous remercions. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés une fois encore pour déverser tes bénédictions sur nos vies. Nous demandons, Seigneur, que personne ne rate ses bénédictions au nom de Jésus. Comme tu bénis ton peuple, fais de nous des canaux de bénédiction pour tous les autres. Donne-nous l'amour pour les gens autour de nous. Touche leur vie et amène-les dans les bénédictions de la croix. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? L'implication, c'est que quand vous croyez à la parole, à l'annonce, la puissance de Dieu vous sera révélée. Il se lèvera, il s'est élevé devant lui, verset 2, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il regarde au-delà où il écrivait. Et regardez la naissance de Christ, la vie de Christ, la crucifixion de Christ. Il était si frappé. Quand les gens l'ont vu, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de beauté, il n'y avait pas d'éclat. À cause de l'effet des fouets, des coups contre son corps, il a été méprisé. Et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les Romains l'ont méprisé, les soldats l'ont dédaigné, les Israélites l'ont dédaigné. Ils ont dit « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Pilate a dit « Est-ce que je vais crucifier votre roi ?» Il dit « Débarrassez-vous de lui, crucifiez-le !» Ils l'ont dédaigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le Père connaissait le sacrifice et le Père a porté le jugement qui devait nous revenir sur lui. C'est pourquoi il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Parlons de la croix. Nous parlons de ce que Christ a fait sur la croix. Nous parlons de la honte qu'il a portée. Le chagrin qu'il a enduré, nous parlons de la souffrance qu'il a endurée. Nous parlons de l'agonie que Jésus-Christ a supportée sur la croix. Pourquoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisés que nous sommes guéris. Le prophète nous dit que Christ viendra. Le Fils de Dieu viendra. Et il viendra faire le sacrifice final. Et ce sacrifice va ôter nos péchés, notre châtiment, toutes les condamnations que nous devons supporter. Ce sacrifice viendra porter tout. Il va ôter le péché, il va ôter la maladie, il va ôter l'esclavage, il va ôter la malédiction. Nous étions tous, verset 6,
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La provision universelle pour le salut. Personne ne peut dire, peut-être le salut n'est pas pour moi. Peut-être la rédemption ne peut pas être pour moi. Peut-être je ne peux pas être sauvé. Peut-être il n'est pas moi pour moi. Non, il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ils l'ont conduit à Hérode. Ils l'ont amené devant Pilate. Et Hérode lui a posé beaucoup de questions parce qu'il désirait le voir il y a longtemps. Maintenant, le moment était venu. Et de toutes les questions qu'Hérode a posées, il ne lui répondit rien. Il était resté devant Pilate. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Et son dos saignait déjà à cause des fouets. Et Pilate a commencé à lui poser des questions. Et il ne lui répondit rien. Ne me réponds-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et le pouvoir de te crucifier? Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Il n'a commis aucun péché et aucune culpabilité n'était en lui. Pourquoi est-il alors mort? Pourquoi a-t-il été crucifié? Pour les péchés de mon peuple, il a été frappé. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mais on l'a crucifié. On a crucifié deux voleurs, deux méchants avec lui. Mais Dieu merci, l'un d'eux est allé au paradis ce jour-là. Et quand il devait être enseveli, il a été enseveli dans la tombe de Joseph d'Arimathée, l'homme riche. La tombe, oui, il a plu, verset 10, à l'Éternel de le briser. Il, par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 9 parle de sa mort. Parce qu'il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Verset 10. Il dit, il se lèvera encore, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, c'est la mort, c'est la crucifixion, il verra une postérité et prolongera ses jours. Après la crucifixion, viendra la résurrection. Après la crucifixion, viendra la nouvelle vie. Après la résurrection, alors il prolongera ses jours. Et il vivra éternellement, une fois encore. Parce qu'il était vivant depuis toute l'éternité.
et la croix étaient un point de référence pour notre salut, et l'éternité continuera avec lui. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, l'agonie qu'il a endurée, quand il a prié dans le jardin, il verra le résultat de ce travail. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi il est mort, pour porter nos iniquités, et pour ôter nos péchés, et pour ôter le pouvoir du péché, et le châtiment du péché, et tout ôter. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera, il est ressuscité maintenant, il a été tué, il a été mis à mort, crucifié, maintenant il est ressuscité. Alors, après la résurrection, la gloire, après la résurrection, l'honneur, après la résurrection, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, après cette résurrection, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Comme nous considérons ce chapitre, chapitre 53 d'Ésaïe, vous verrez les bénédictions et les profits de la croix. En 1 Pierre au chapitre 2, résume toute chose pour nous. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Alors vous voyez, Pierre, l'apôtre, nous résumons tout, que le prophète Ésaïe avait anticipé, quand il avait prophétisé, ce n'était pas encore produit. Ésaïe regardait à l'avenir, quand ce Christ viendra, quand le Fils de Dieu viendra, et quand Jésus-Christ, celui qui est sans tâche, celui qui est sans péché, le Saint, quand il mourra sur la croix du calvaire, pour porter tes péchés, pour porter les péchés du monde entier. Mais puis maintenant, il regarde encore la croix, et cela a déjà eu lieu. La crucifixion a eu lieu. La mort a eu lieu. Et l'ensevelissement a eu lieu. Et le troisième jour est venu, il est ressuscité des morts. Alors il est apparu à ses disciples et ils l'ont vu. Maintenant, ils avaient même commencé à prêcher et plusieurs étaient déjà sauvés comme résultat de ce sacrifice. Plusieurs étaient guéris comme résultat de ce sacrifice. Maintenant, il dit, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Et cet effet de la croix, cette bénédiction de la croix, les profits de la croix, continue jusqu'à ce jour, parce que lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, premièrement, mort au péché, nous nous identifions à Christ, nous sommes crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, aidés, nous sommes morts au péché, et maintenant nous devons vivre pour la justice. Et aidés, lui par les maîtrises duquel nous sommes guéris. Je prie que les profits soient pour toi au nom de Jésus. Il y a trois choses que nous allons considérer dans ce message. Premièrement, prier pour posséder
Les profits de la croix. Les profits sont là. Les profits sont nombreux. Les profits sont innombrables. Les profits sont suffisants. Pour que tu puisses être un possesseur, participant, tu dois prier et tu dois posséder. Les possesseurs sont là et tu fais partie d'eux. Prier pour posséder les profits de la croix. Deuxième point. Prêcher. Pour prêcher, pour élever la bannière de notre capitaine. Il est le vainqueur, il est le convainqueur. Il a vaincu Satan et la mort. Il a vaincu tous les ennemis de l'humanité. Il a vaincu tous les ennemis de l'Église. Nous élevons sa bannière. Il est le Christ, il est notre capitaine. Prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Troisième point. Persévérer pour préparer l'épouse de Christ. Persévérer pour préparer. Maintenant que Christ est mort. Maintenant que Christ a versé son sang. Maintenant que Christ est allé au ciel. Maintenant qu'il allait nous préparer une place. Pour les racheter de l'Éternel, pour l'épouse. Maintenant, nous sommes ici maintenant. Et tous, vous et moi, nous devons préparer en persévérant, nous persévérons en préparant l'épouse de Christ. Premier point, prier pour posséder. Prier pour posséder les profits de la croix. En Jérémie, au chapitre 29, Jérémie, chapitre 29, verset 11. 29, 11 de Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Avant qu'il n'envoie Christ à la croix, il pensait à toi. Bien sûr, il savait. Il connaissait la fin dès le commencement. Il savait que tu naîtras dans cette génération. Il savait que tu seras un pécheur. Mais il savait que tu pouvais être sauvé. Et il voulait que tu sois sauvé. Il pensait à toi. Et à cause de toi, il a envoyé Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et le seul moyen pour avoir la paix, c'est à travers le prince de paix. Et il n'y a pas de paix que tu puisses avoir hors de Christ qui est éternel. Mais il dit ici, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année, il y a une fin. À la fin de chaque saison, il y a une fin. Et à la fin de la vie, il y aura une fin. Et chacun espère, quand je viendrai à la fin de la vie, j'aurai ce lieu attendu. Et Dieu nous donne Christ. Et c'est pour que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance à la fin. Je prie que ce ciel, tu y arrives. Alors vous m'invoquerez. Et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Je crois que tu vas donner grand amen. Vous, et il nous exaucera. Gloire à Dieu pour cela. Il va t'exaucer. Il va exaucer tes prières. Toutes ces choses que tu demandes, que tu as déjà demandé, il t'espérait simplement que tu viennes. Ce n'est pas quelque chose que tu supplies mendiant comme un mendiant. Il dit, je les ai pour toi. L'espérance du salut à la glorification, je les ai pour toi. Mais tu dois prier. Tu dois venir me demander. Aidez. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le calvaire a pourvu tout ce dont nous avons besoin.
Le calvaire a pourvu tous les profits et toutes les bénédictions pour l'âme, pour le corps et pour l'esprit. Mais tu dois prier. Prier pour posséder. Prier pour posséder. Et tu vas posséder. En Ézéchiel, au chapitre 36, verset 37. En Ézéchiel 36, verset 36, 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai. Voici encore, j'ai pourvu les bénédictions. J'ai pourvu les profits. Tout est disponible. C'est pourquoi j'ai envoyé mon Fils unique à la croix du calvaire, afin que toutes ces bénédictions de la croix soient pour vous. Mais il dit, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Regardez ici. La maison d'Israël a raté les bénédictions et les profits de la croix. Les pharisiens disent, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Les sadducéens disent, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Christ est venu. Il est allé partout, guérissant les malades. Et ceux qui étaient opprimés, les pharisiens, n'ont jamais amené leurs malades à Christ. Tout ce qu'ils avaient, c'était des questions. Pourquoi est-ce que ton maître mange avec les publicains? Pourquoi il guérit le jour du sabbat? Pourquoi il fait ci, fait cela? Tous les profits étaient là pour eux. Mais Jésus-Christ a dit, j'aurais voulu vous rassembler sous ma protection, comme la poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Jésus-Christ a regardé sur Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Oh, si tu connaissais en ce jour ce qui appartient à ta paix, mais que c'est caché à toi. Voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Et l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile partout où il allait. Premièrement, il allait dans la synagogue. Il prêchait la parole. Mais ils n'ont pas accepté. Il a dit, puisque vous vous considérez indigne de la vie éternelle, voici, nous irons chez les païens et ils recevront cette parole du salut. Voyons ce verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Maintenant, si tu peux demander, le Seigneur va exaucer ta prière. Si tu peux recevoir, les bénédictions du calvaire viendront sur ta vie. Voyons les bénédictions. Les bénédictions sont nombreuses. Je vais vous lire quelques-unes. Voyons. Verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Tu seras fécond. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et tu vas oublier tes chagrins. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Les jours meilleurs viennent. Une meilleure année vient. Une meilleure vie vient pour toi au nom de Jésus. Mais rappelle-toi. Voici sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Tu sauras qu'il est ton Dieu. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Le Seigneur va te purifier. Il va même ôter le souvenir de ce que tu as fait par le passé, de ta mémoire, de ta conscience.
Il va purger ton cœur. Il va purger ton esprit. Il va purifier ta conscience. Et cette condamnation qui te suit prendra fin au nom de Jésus. Et je répandrai sur vous nos purs et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mais rappelez-vous, voici sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je crois que vous allez donner grand amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est venu. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cela veut dire une nouvelle attitude, une nouvelle disposition, et une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle vie. Tu deviendras une nouvelle personnalité au nom de Jésus. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce serait facile pour toi de mener la vie chrétienne. Quand il te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il te donne le Saint-Esprit. Et tu avances. C'est comme si c'est la puissance du vent qui te pousse et te fait avancer. Alors, toutes les anciennes chansons, tu vas les oublier. Les anciennes chansons. Oh, la voie n'est pas facile. La voie n'est pas facile. Je vais au ciel, parfois sur la montagne, parfois dans la vallée. Oh, la voie n'est pas facile. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Je meurs, je pleure. Tous ces anciens chants vont quitter ta bouche. La joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. Tu diras, voici le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir en ce jour. De nouvelles opportunités viendront. Une nouvelle vie viendra. Une nouvelle personnalité va se lever. Alors, tu vas louer le nom du Seigneur pour toujours au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Le Seigneur dit, qui le fera, mais tu dois demander. Tu dois le lui dire. Et tu dois plaider avec lui. Et il le fera. En Galates chapitre 3. Galates 3. Verset 13. Galates 3. Verset 13. Verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté, m'a racheté de la malédiction de la loi. Tu dois accepter cela. Tu dois cesser d'aller vers celle pour prier pour toi. J'ai une malédiction dans ma vie. C'est ta confession. Ne comprends-tu pas? La confession apporte la possession. Ce que tu dis, tu vois, cesse ce type de confession. Christ t'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions. Est-ce que tu fais partie d'eux? Et que nous. Est-ce que tu fais partie de nous? Et que nous. Est-ce que tu es participant? Et que nous. Est-ce que tu es un possesseur? Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Seigneur, je reçois. Quelqu'un là-bas, Seigneur, je reçois. Colossiens 1. Verset 12, Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, qui vous a rendu digne
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Participants, possesseurs, et il nous rend dignes pour devenir participants de l'héritage qui nous a... Dites-moi la suite là. Dites-moi à haute voix qui nous a comment... Pourquoi cherchons-nous ce que nous avons? Pourquoi est-ce que nous courons quelque part? Nous courons ailleurs. Et nous cherchons ce qui est là à nos côtés. C'est simplement pour nous de demander. Aucun lien ne sera plus dans ta vie. Aucune calamité ne viendra sur ta vie. Les accidents sont annulés de ta vie. La mort prématurée annulée de ta famille. La délivrance totale. La délivrance totale. Tu vas jouir de ta vie chrétienne. Et tu vas jouir de tous les profits du calvaire au nom de Jésus. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Toutes ces puissances des ténèbres, n'importe où ils se trouvent, toutes ces choses seront annulées et détruites de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu as entendu ce chant? Prends mon intellect et utilise-le. Personne ne va enfermer ton cerveau. Personne ne va enfermer le cerveau de tes enfants. Celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, m'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Nous avons la rédemption. Nous avons le salut. Nous avons la délivrance. Nous avons la domination. Seulement si nous demandons, si demain il va exaucer ta prière. En qui nous avons? Est-ce que tu as quelque chose? En qui nous avons? Est-ce que quelqu'un a quelque chose là-bas? En qui nous avons la rédemption? Par son sang, la rémission des péchés. Tu ne cherches pas ça, tu l'as. En Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Le profit c'est quand? Maintenant. Les bénédictions c'est pour quand? Les bénédictions du calvaire. Tes bénédictions à toi, maintenant, à celui qui est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous. Ça va agir en toi. Priez pour posséder les profits de la croix. Deuxième point. Prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Notre capitaine, c'est le capitaine de notre salut. Il est mort. Il est ressuscité encore. Et il est devenu le capitaine, le conquérant. En Hébreu chapitre 2. Hébreu 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il a goûté la mort pour nous. Tu ne vas plus goûter à cette mort. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils à la gloire. Je fais partie d'eux. Beaucoup de fils à la gloire. Beaucoup de fils à la gloire. Il te sortira du déshonneur pour la grâce. Il va te sortir de la dégradation, va te conduire à la gloire. Va te sortir de la dégradation.
éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. La souffrance de la croix prêchait pour élever la bannière. Notre capitaine, notre psaume 60. Psaume 60 élève cette bannière. La bannière de Christ dans ta vie. Que la bannière de capitaine de ton salut, qu'elle soit élevée, que les gens sachent, connaissent la bannière de la victoire de la croix, la bannière de la victoire, la puissance triomphante de la croix, qu'ils sachent que cette bannière est dans ta vie. Elle est élevée, elle ne va pas descendre. Psaume 60. Tu as ébranlé la terre. Verset 6, Louis II. Tu as donné à ceux qui te craignaient une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Montre que Christ a eu la victoire pour toi. Verset 7, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galade, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda, mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins, et continue. Pousse à mon sujet des cris de joie. Quelqu'un va triompher là-bas. N'est-ce pas toi, ô mon Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus? Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Dieu dit, comme Christ a la victoire, tu peux élever cette bannière. Élève cette bannière. Prêche en Romains au chapitre 1. Et tu prêches sa victoire. Tu prêches sa puissance triomphante. Et tu en parles aux gens, tu prêches, venez à Christ. Si vous n'avez jamais connu la victoire dans votre vie, un nouveau type de victoire vient pour vous. En Romains 1, 16, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour quiconque, ce salut sera à toi, à ta femme, sera pour ton mari, sera pour tes enfants, sera pour tes voisins. Et dès que tu leur parles, il ne faut pas dire qu'ils ne vont pas accepter. Les choses sont différentes maintenant. Ils vont accepter. Quiconque croit, juif premièrement, puis le grec, c'est une puissance de Dieu. Parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 10, verset 8. Tu prêches la parole. Tu élèves la bannière de Christ. Et tu fais comprendre aux gens que Christ a vaincu. Et que Christ a porté leur péché. Et dès qu'ils croient, ils parviendront au salut. Ils parviendront à la justice. Dans le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
tu te détournes du péché et tu viens au Seigneur. Je ne peux pas me sauver, mais j'ai entendu que tu as porté mes péchés sur la croix du calvaire. Et je me confie à ton sacrifice. Je fais confiance à ta substitution. Je me confie au port de mes péchés. Alors, si tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi et qu'il est ressuscité encore pour ta justification, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur, verset 10, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et dit, nous devons prêcher cela. Prêcher pour élever la bannière de notre capitaine. Écrivez ce mot. Élever. En anglais, nous allons le prendre. Si vous voulez élever la bannière, c'est un mot d'action, vous devez faire quelque chose. On ne peut pas dire, oh, j'apprécie l'évangile, j'aime l'évangile, j'accepte l'évangile. Pousse, élève-le, déclare-le, dis-le, parle-en aux gens, partout tu vas, élève la bannière, un peu plus haut, que plus de personnes le voient, plus tu élèves la bannière, plus de personnes pourront la voir. Et Christ a vaincu. Et Satan est tombé. Et dans ta vie, dans la vie de ta famille, continue à élever la bannière de notre capitaine. Élève. En anglais, premièrement, c'est prêcher. Jusqu'à ce que les pécheurs soient touchés. Prêche jusqu'à ce que les pécheurs soient touchés. Tu prêches et les pécheurs font ce qu'ils font. Tu prêches davantage. Et les pécheurs, c'est comme s'ils ne prêtent pas attention. Tu prêches encore. Jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience. Prêche davantage. Jusqu'à ce qu'il y ait la conviction. Tu prêches davantage. Jusqu'à ce qu'ils cessent. Tu prêches davantage. Jusqu'à ce qu'ils disent, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Élève. Prêche jusqu'à ce que les pécheurs soient touchés. Persuade jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Tu prêches et les gens se moquent. Tu prêches et les gens se moquent de toi. Et tu n'arrêtes pas. Tu élèves, tu continues. Tu élèves cette bannière, la bannière de Christ. Et tu continues à l'élever. Tous ces moqueurs qui essaient de se moquer de ce que tu dis. Tu prêches jusqu'à ce que les moqueurs arrête jusqu'à ce que il cesse leur moquerie. Continue à prêcher. Persévère. Même s'il y a des troubles sérieux, tu élèves la bannière de Jésus-Christ. Alors il y a la persécution. Il y a des troubles. Il y a des oppositions. Il y a des résistances. Tu n'arrêtes pas. Élève davantage. Tu élèves davantage la bannière de Jésus-Christ. Tout le monde doit voir. Tout le monde doit entendre. Ne les permets pas de te faire taire. Ne les permets pas de te fermer la bouche. Tu élèves la bannière de Jésus-Christ. Le capitaine de notre salut. Persévère sous les troubles sérieux. C'est ce que ça veut dire élever. Parce que si tu ne persévères pas, un petit défi, une petite difficulté, un peu de résistance, un peu d'opposition, un peu de persécution, alors tu te retractes dans ton coin. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois continuer à persévérer. Et tu vas persévérer. Quelqu'un là-bas, tu vas élever. Quelqu'un là-bas va élever. Je dis, quelqu'un là-bas va élever. Persévère sous de troubles sérieux. Ça veut dire, tu préserves un cœur sanctifié non compromettant quand tu préserves. Et tu as ce cœur sanctifié non compromettant. Le juste est aussi audacieux qu'un lion. Aucune condamnation, aucune culpabilité, rien. Le diable va dire, ah, Jésus a dit, et toi, est-ce que toi tu es sauvé?
Jésus a annulé toutes mes malédictions et ceci et cela. Tu préserves un cœur sanctifié non compromettant. Tu élèves, soutiens de façon permanente la sainteté scripturaire. On te dribble par là. Ce qui sort est la sainteté. Quelqu'un te pousse là-bas, voulant, veut que quelque chose quitte ta bouche. Ce qui sort, c'est la sainteté. Quelqu'un te pince. Quelqu'un se moque de toi. Quelqu'un essaie de t'attaquer. Et il pense que quelque chose d'amer va sortir. Il pense que quelque chose de satanique va sortir. Il pense que quelque chose de mal va sortir. Mais tu pousses, t'élèves. Tu élèves permanemment et tu soutiens permanemment la sainteté scripturaire. Et tu sors le matin pour le cri matinal. Et comme tu fais le cri matinal, quelqu'un là-bas qui a un chien dans la maison, il envoie le chien aboyer pour que tu ne passes pas devant la maison. Chaque fois que tu arrives là-bas, le chien mord, le chien aboie, aboie. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Continue. Pousse. L'évangile doit être prêché. Et c'est toi le prédicateur. C'est toi le prédicateur. Mon frère là-bas, tu es le prédicateur. Ma soeur là-bas, tu es le prédicateur. Élève. Poursuis. Poursuis la moisson. Poursuis l'habitude du gain des âmes imparable. Dans cet environnement, continue à avancer. Élève la bannière de Jésus-Christ. Je dis que Christ est plus grand que tout problème. Que Christ est plus grand que toute maladie. Je dis que Christ est le seul sauveur. Et même s'il y a des gens qui ne prêtent pas attention au début, mais quand je continue à élever, et je poursuis de façon l'habitude du gain des âmes imparable. Je dis, ils vont écouter. Et à la retraite prochaine, tes convertis viendront avec toi. Tu ne seras pas stérile. Je vois des gens féconds autour de moi. Je vois des gens féconds. Où sont les gens féconds? Tu seras fécond dans le gain des âmes. Fécond dans le service de Dieu. Tu seras fécond dans tes affaires, dans ta communauté. Tu seras fécond dans ta famille. Parce que tu poursuis une habitude du gain des âmes imparable. Possède une espérance unique et durable. Tu as l'espérance en Dieu. Je ne travaille pas en vain. Tu as l'espérance en Dieu. Posséder l'espérance unique et durable. Tu as l'espérance en Christ parce qu'il allait te préparer une place. Je serai là. Tu élèves la bannière du salut de Christ. La victoire de Christ. Continue. Prêche jusqu'à ce que les pécheurs entendent, persuadent. Jusqu'à ce que les moqueurs arrêtent. Persévère sous les troubles sérieux. Élève, préserve un cœur sanctifié non compromettant. Élève, soutient de façon permanente la sainteté scripturaire. Élève, poursuit une moisson du gain des âmes imparable. Élève, possède l'espérance unique et durable. Ce pays t'est donné. Ta communauté t'est donnée. Prêche pour élever la bannière de notre capitaine. Troisième point maintenant. Persévérer pour préparer l'épouse de Christ. Persévérer pour préparer l'épouse de Christ. C'est notre appel. Frère, pasteur, c'est notre appel. Sœur, dirigeant des femmes, c'est notre appel. Dirigeant des jeunes, ouvrier parmi les jeunes, et même les croyants, c'est notre appel. Frère du campus, c'est notre appel.
nous préparons l'épouse de Christ, nous et ouvriers de l'église des enfants, n'est-ce pas ce que vous faites? Nous préparons l'épouse de Christ. Et vous voulez que l'épouse de Christ soit prête. Aujourd'hui, plus que hier, tout message que vous donnez, tout chant que vous donnez, tout témoignage que vous donnez, tout encouragement que vous donnez, tout travail que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites afin que l'épouse de Christ aujourd'hui soit mieux préparée qu'elle l'était hier. L'Église est l'épouse. Voyons 2 Corinthiens chapitre 11. En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Voici ce qu'il dit, ce que vous faites pour préparer l'épouse de Christ. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. J'ai cette parole, et qu'elle purifie l'épouse de Christ. Prêche cette parole, qu'elle lave les infirmités et l'impureté de l'épouse de Christ. Chante cette parole, et que les paroles du chant et de la prestation purifient l'épouse de Christ. Aide et conseille ces femmes, et que l'aide et le conseil purifient ces femmes et les prépare davantage pour le retour de Christ. Conseille et aide, soutien et sois un encouragement à cette personne là-bas pour que la parole de Dieu lave et purifie le peuple que tu conseilles. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est que ton ministère, que ton influence, soit que tu prépares l'épouse de Christ. D'une main, tu invites les gens du dehors à venir dans la grâce de Dieu, dans l'évangile de Christ. Et de l'autre main, ceux qui sont dedans, les croyants, les enfants de Dieu, tu les aides, tu les purifies, tu les laves, tu les rends davantage prêts pour le retour du Seigneur. Voyons Apocalypse chapitre 19. En Apocalypse chapitre 19, nous lisons le verset 6. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Il règnera dans ta vie. Il règnera sur ta famille. Il règnera sur tous tes problèmes. Et il t'amènera et t'identifie avec lui. Tu règneras avec lui. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, son épouse s'est préparée. Pourvois l'eau. Pourvois le lieu. Pourvois le savon. Pourvois toutes les choses qui sont nécessaires pour cette épouse. Afin qu'elle sache que l'eau de la parole est là. La foi qui croit, c'est là.
et le lieu, le bâtiment d'église où elle va écouter cette parole et qu'elle va recevoir la parole que ce lieu-là, c'est ce que tu dois faire pour voir le lieu, pour voir l'eau de vie, pour voir l'eau de la parole, pour voir tout ce dont elle aura besoin, l'épouse, pour qu'elle se lave, pour qu'elle soit purgée, pour qu'elle se prépare pour le retour de Christ, l'époux. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Prépare l'épouse et tu le feras. J'ai dit tu le feras. Rappelle-toi toujours que chaque fois que tu as une opportunité d'interagir, d'influencer, d'aider, d'enseigner, de prêcher aux enfants de Dieu, rappelle-toi toujours, l'objectif, c'est de persévérer et en préparant l'épouse de Christ. Prépare l'épouse, premièrement. Prépare. N'empêche pas. Quelqu'un veut être pur. Aide-le. Quelqu'un veut être saint. Donne une main d'aide. Quelqu'un veut se rapprocher de Christ, ne le décourage pas, encourage, prépare et n'empêche pas. Deuxièmement, purifie et ne pollue pas. Purifie et ne pollue pas. Dans tes témoignages, ne dis rien qui va rappeler aux gens la vie sale du passé. Ne dis rien qui est si délicat. Et quand les gens vont l'entendre, au lieu de penser au ciel, au lieu de penser à la sainteté, au lieu de penser à comment être plus pur comme le diamant, ils pensent à quelque chose qui tente. Ne le fais pas. Tu purifies. Ne pollue pas. Faut polir et ne punir pas. Comme nous interagissons avec les gens, comprenez, les enfants de Dieu, tu es un enseignant et l'un des enfants des présidents est dans ta classe. Comment vas-tu enseigner cet enfant? Que diras-tu à cet enfant? Comment vas-tu traiter enfant du président dans ta classe en tant qu'enseignant? Enfant de Dieu, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs et le président de l'univers entier. Maintenant, tu as l'opportunité d'enseigner, d'aider, d'illuminer les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, pour lire et ne punir pas, qu'il soit meilleur, qu'il brille, qu'il soit plus propre, qu'ils étaient avant de venir vers toi. Quatrièmement, purge, ne profane pas. Purge. Nous sommes dans le ministère et dans notre ministère, nous essayons d'aider l'épouse de Christ à être prête. Et tu veux que ta contribution, tu veux que la partie de ton ministère contribue quelque chose à l'élévation de l'épouse de Christ, à l'encouragement de l'époux de Christ, qui veut que ce que tu fais conduise l'époux de Christ plus haut à la gloire, plus haut dans le Seigneur. Purge et ne profane pas.
Cinquièmement, tu parfais, tu ne pervertis pas. Parfait et ne pervertis pas. Comment tu interagis avec les autres? Tu penses, quelle est mon influence sur eux? Quel est le résultat de mon ministère sur eux? Ce que je partage, qu'est-ce que ça accomplit dans leur vie? Mes actions? Comment je me projette et projette tout à l'église? Qu'est-ce que cela fait? Est-ce que cela les parfait ou bien cela pervertit? Premièrement, prépare, n'empêche pas. Deuxièmement, purifie, ne pollue pas. Troisièmement, polir et ne punis pas. Quatrièmement, purge, ne profane pas. Cinquièmement, parfait et ne pervertis pas. Sixièmement, promeut et ne provoque pas. Nous préparons des gens pour rencontrer le Seigneur. Et nous savons, tu crois, je crois, la Bible dit, Christ peut venir à tout moment. Si je crois vraiment, si je crois vraiment, si tu crois vraiment aussi que Christ peut venir à tout moment. Et voici ton frère, un frère innocent. Voici ta soeur, soeur innocente. Peut-être qu'elle ne connaît pas tout ce qu'elle doit connaître. Et tu la provoques à la colère. Tu la provoques à quelque chose d'impur. Tu la provoques à mal se comporter. Qu'est-ce que nous gagnons? Ça, c'est un membre du corps de Christ. Elle fait partie de l'épouse de Christ. Et au lieu de les aider pour la promotion dans la foi, de foi en foi, de grâce en grâce, de salut à la sanctification, au lieu de les promouvoir, nous les provoquons. Au lieu de nous rassembler avec Christ, nous dispersons. Au lieu d'amener quelqu'un à dire, je suivrai le Seigneur, je ne vais jamais abandonner le Seigneur, je vais suivre le Seigneur jusqu'à la fin, nous les amenons à dire, je ne sais pas s'il doit continuer ou pas. Hein. Oh, le découragement est trop. Je suis en paix quand je suis au dehors. Mais quand je viens dans l'église, c'est comme si je ne sais pas ce que j'ai fait. On me pousse par ici, on me drille par ici, on me provoque. Je ne sais plus là où je vais rester. Fais leur promotion, aide-les. Ne les provoque pas. Septièmement, présente et ne possède pas. Présente et ne possède pas. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. En Colossiens 1, en Colossiens chapitre 1, verset 28. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Nous ne devons pas posséder cette Église. Ça veut dire quoi? Tu es ouvrier. Tu es un dirigeant de section. Tu ne dois pas garder l'Église, les membres, aucun membre, comme un bien personnel en le possédant. En les gardant dans l'esclavage, en les maintenant dans la crainte, et ils te craignent plus qu'ils ne craignent Dieu. Et ils tremblent. Chaque fois qu'ils te voient, tu les possèdes. Alors, c'est comme si nous avons un maître, et ce maître a une femme. Et toi, tu es ouvrier, employé par le maître, pour prendre soin. Pour s'occuper de certains domaines de la vie de la femme, soit pour garder, entretenir la maison, balayer la maison, ou bien faire la cuisine, ou bien faire des travaux domestiques. Maintenant, au lieu de prendre soin de cette femme, tu possèdes la femme. Et la femme est intimidée.
La femme a peur de toi, plus qu'elle n'a même peur de son mari. Et elle se dit, elle n'est pas loyale à toi, et tu es ouvrier, hein, employé par le mari pour t'occuper de la femme, prends soin des travaux dans la maison, et tu possèdes, au lieu de présenter l'épouse à Christ. Ce n'est pas juste. Laisse passer. Tu ne veux pas mettre quelqu'un en esclavage. Sors de l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage. Même l'esclavage dans le monde a été aboli. Ne maintiens personne comme esclave. Et tu veux présenter le corps de Christ et l'épouse présentée à Christ. Saint, pur et chaste. Et le Seigneur t'aidera. Le Seigneur nous dit donc, Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité des morts. Et c'est maintenant, il nous revient de faire partie du privilège de préparer l'épouse, pas empêcher, purifier l'épouse, pas polluer, polir l'épouse, non pas punir, et de purger et non profaner, parfaire et non pervertir, promouvoir et non provoquer, présenter et en tant comme une vierge pure, chaste, sainte à l'Éternel et non posséder. Ne fais pas de l'Église un esclave par tes mains de fer et le Seigneur nous aidera. Les profits, les bénédictions de la croix, nous sommes là pour posséder ces bénédictions. Nous sommes là pour élever la bannière du capitaine. Et nous sommes là pour préparer et parfaire l'épouse de Christ. Tu fais partie de l'équipe gagnante. J'ai dit, est-ce que tu fais partie de l'équipe gagnante? Nous allons faire cela ensemble. Et Dieu bénira ta vie à travers toi. Les bénédictions vont couler, couler vers les gens du monde et les conduire dans la foi. Et à travers toi, le Seigneur va parfaire les saints, l'époux de Christ au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Dis Seigneur, me voici, je le ferai, je le ferai. Je ferai partie de l'équipe gagnante. Je ferai partie des gens qui progressent, prêts à progresser. Parle au Seigneur. La restauration est disponible, parle au Seigneur. Le plein salut est disponible, parle au Seigneur. Un cœur nouveau est disponible, parle au Seigneur. Un nouvel esprit disponible, parle au Seigneur. La guérison est disponible, parle au Seigneur. La délivrance est disponible, parle au Seigneur. La domination est disponible, parle au Seigneur. Christ a tout payé. Jésus a tout payé. Toute ta dette, toute ta condamnation. Il a souffert pour cela. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et c'est pour toi. Jésus a vaincu. Satan est tombé. Jésus est victorieux. Il est le capitaine. Il est le vainqueur. Élève la bannière. La bannière de sa victoire. Élève-la. Élève-la et dis au Seigneur, je vais continuer à prêcher jusqu'à ce que les pécheurs arrêtent. Continue à persuader jusqu'à ce que les moqueurs cessent. Continue à persévérer sous les troubles, les pressions terribles. Élève-la. Élève-la. Ne sois pas sous les pieds du diable. Quitte là-bas. Et que le diable et Satan et tous ces puissants maléfiques soient sous tes pieds. Tu es victorieux. Partage la victoire de Christ. Et préserve un cœur sanctifié, non compromettant. Soutiens de façon permanente la sainteté scripturaire. Poursuis. N'arrête pas. Poursuis. N'arrête pas, poursuis. Ne retourne pas en arrière, poursuis. Courageusement. Le
la moisson du gain des âmes imparable. Tu as de l'espérance, qu'elle soit soutenue. L'espérance qui ne peut être détruite. L'espérance en Christ. L'espérance dans le Seigneur. Tu auras la victoire. Viens contribuer ta part en préparant l'épouse de Christ. Viens, viens. Ne quitte pas ton lieu de ministère. Ne laisse pas vacant. Prépare-toi. Prépare l'épouse. Purifie l'épouse. Polir l'épouse. Purge l'épouse. Parfait l'épouse. Promeut l'épouse. Jusqu'à ce que tu dises, par la grâce de Dieu, je fais partie de l'équipe présentant l'épouse à Christ comme une vierge chaste. Confie-toi à préparer l'épouse pour le retour de Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Les saints vainqueurs de Dieu disent, le calvaire a payé la sentence. Le calvaire a ôté ton châtiment. Le calvaire a ôté ta pauvreté. Le calvaire a guéri ton corps. Le calvaire t'a délivré. Le calvaire te donne la domination. Et le calvaire te donne la puissance. La puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et le calvaire a pourvu toute suffisance pour chacun de nous aujourd'hui. Tu es participant. Où es-tu là-bas? Tu es participant. Que ton chagrin disparaisse. Que tes larmes soient effacées. Parce que le calvaire a pensé à toi. Le calvaire a pensé à toi. Et maintenant, je connais les pensées que j'ai pensées sur vous. Projet de paix. Projet de victoire. Projet de joie. Et projet de guérison de santé. Et projet de joie inexprimable. Et ton progrès va commencer aujourd'hui, sera imparable au nom de Jésus. Lève tes mains et possède paix au nom de Jésus. Nous te remercions parce que le calvaire a payé tous les prix et toute dette de chacun. Et je prie que tu amènes ton peuple dans le salut total plein au nom de Jésus. Pour l'âme, pour le corps et pour l'esprit. Affranchis ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce que Jésus-Christ est mort pour acquérir sur la croix du calvaire, pour son peuple, que tout frère ici, que toute soeur ici, que tout jeune ici, que tout garçon, toute fille, tout élève, étudiant, soit participant au nom de Jésus. Ôte les chagrins. Ôte les souffrances, ôte les maladies. Seigneur, je prie, il y aura la victoire totale. Je prie, il y aura la domination totale. Je prie, nous allons avancer de foi en foi, de grâce en grâce, de puissance en puissance au nom de Jésus. Toute condamnation du diable, Seigneur, que le calvaire l'annule de chaque vie. Et toute pensée qui t'affaiblit, toute pensée qui t'amène à te voir comme un chiffon, je prie que tu enlèves ces pensées de ton peuple au nom de Jésus. Je prie que l'esprit du lion de Juda vienne dans la vie de chacun maintenant. Le courage pour vivre, la conviction pour vivre, la puissance pour vivre, donne à chacun au nom de Jésus.
Et tout ce qui est ton souci sur ton épouse, souci sur ton mari, souci sur ta famille, souci sur tes enfants, souci sur tes affaires, souci sur ta vie, je prie que le calvaire apporte la solution maintenant au nom de Jésus. Tu es délivré, tu es délivré de la puissance des ténèbres et tu es transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Viens dans le soleil, viens dans la lumière du jour et viens dans la délivrance du Seigneur au nom de Jésus. Les ennemis ne vont pas régner sur toi, les puissants des ténèbres ne vont pas régner sur ta vie. Lève-toi et règne, lève-toi et règne, lève-toi et règne. Les impossibilités deviendront possibles devant toi. Tous ses ennemis seront dispersés quand ils entendront la voix du Fils de l'homme parlant en toi et ils sont dispersés de ta vie au nom de Jésus. Que ce jour soit pour toi un nouveau jour. Que ce mois soit un nouveau mois. Cette année soit une nouvelle année. Et cette vie, une nouvelle vie. Et tout nouveau. Un nouvel esprit, un cœur nouveau, une nouvelle décision. Une nouvelle dispensation, que tout soit nouveau et que cela vienne dans ta vie au nom de Jésus. Et les bénédictions que tu reçois quand tu participes au calvaire seront permanentes. Et tu verras la gloire de Dieu brillant sur ton visage dans ta vie. Quelque chose est arrivé. La puissance est venue en toi. Et tu vas élever la bannière du capitaine. Partout tu iras, tu seras du côté des vainqueurs. En Christ, tu vas gagner. À travers toi, Christ va gagner. À travers toi, le royaume de Dieu va gagner. Et le rôle que tu joues en préparant l'épouse de Christ, tu ne vas pas mépriser ton rôle. Et toute bonne chose que tu fais, tu peux ne pas savoir toute bonne chose que tu fais en préparant l'épouse pour être prête pour le retour, prête pour le retour du Seigneur. Tu seras récompensé au nom de Jésus. De grandes bénédictions sur ta vie, la protection sur ta vie, la bonté inépuisable de Dieu sur ta vie. Tu vas toujours te réjouir que tu appartiens à Christ. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Je te remercie pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.